à tes côtés seulement avec elle. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Suivez bien. Il ne s'irrite point. Vous savez, l'amour ne s'irrite point. Même on t'insulte, Evelyne. Même nous, qui ne peut pas s'irriter. Parmi nous, il y a des gens qui s'irritent. Constamment s'irritent. Dans nos foyers, tu s'irrites. Sans cela de s'irriter, l'amour ne s'irrite point. Dis-moi, l'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. C'est écrit, mes frères et sœurs, vas-y. Il ne soupçonne point. Les mariés. Quand le téléphone a mon nico. Souka. Alléluia. Les maris, si des places seulement son téléphone. Papa, j'ai vu le message, mais c'est ton téléphone. Papa, oui, le message. Bon, d'accord, yo, combien est-ce bien? Est-ce bien ou oui? Alléluia. Papa souffre. Alléluia. Laissez prendre le téléphone d'autrui. Messager. L'amour ne soupçonne, hein? Ouais. Alléluia. Est-ce qu'on peut bouger la main comme ça? Je connais des gens qui voient et qui visitent les téléphones des autres. Ils sont appréciés. Moi, on a pas sénégalais, j'en sais quand. Alléluia. Hein? Maman Daniel, ça va? Non, je dis seulement ça va. Amen. Il ne se réjouit point de la justice. Continue, mon frère. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. L'amour excuse tout. Est-ce que toi tu excuses ton mari d'abord? Pour l'heure. Tu dis je ne prépare pas. Alléluia. Il est vivant. Ce sont des choses sérieuses. Il faut arrêter. Tu fais rentrer ton mari jeune de 3 jours. Il ne marche pas. Alléluia. Il faut arrêter. Vas-y, mon frère. Il croit tout. Ça, c'est le mot croit tout. Tu vois les SMS. Tu regardes. Non, c'est normal. Alléluia. Vous écoutez la championne. Vérificatrice. Tes doigts sont comme ça. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Nous sommes dans la famille ici. Nous parlons de la part de Dieu, mais c'est important. Amen. Il faut le pratiquer. Amen. Vas-y. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance des hommes sera abolie. Mais l'amour de Dieu demeurera éternellement. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Cultivons l'amour. Vous verrez la gloire du Seigneur. Si tu cultives l'amour, si ton entourage, vers ta femme, ton mari, tes enfants, là où tu travailles, tu verras vraiment la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Des derniers versets, comme ça on arrête. Je lis au nom de Jésus, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 9. Qu'est-ce qu'il est écrit pour terminer? Suivez bien. Pour ce qui est de l'amour. Fraternel. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Par le manayo, on ne peut pas t'expliquer de l'amour. Dis-moi, alléluia. Vous n'avez pas besoin qu'on te le dise, qu'il y ait l'amour, pratiquons l'amour. Non. Car vous avez vous-même appris de Dieu. Parce que Dieu a déversé une partie de son amour dans ton cœur. Amen. À vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Alléluia. Amen. Pardonnons-nous les uns les autres. C'est très important. Marchons dans l'humilité, dans l'amour de Dieu.
Ce mercredi, nous allons faire l'enseignement sur l'amour. Ça, c'est la prédication. Alléluia. Mercredi, à partir de 18h, venez, on va vraiment disséquer cet amour de Dieu avec plusieurs facettes. L'amour de Dieu, et l'enseignement sur l'amour de Dieu. Amen. Donc, mercredi, on sera là à 18h, comme ça, Dieu va nous parler encore davantage. Ça, c'est la prédication, mais l'enseignement, c'est autre chose. Alléluia. On va rentrer en profondeur vraiment de l'amour. Amen. Levez-vous, nous allons prier. Lève-toi, lève-toi. Frère Claudie, continue. Nous sommes debout. Bien-aimés, Dieu nous a parlé sur l'amour. Dieu nous a parlé sur